c'est Gaëlle Buzwell sur Destination Live. Bonjour Gaëlle. Bonjour. On est ravis de te rencontrer ici à la péniche Antipode. Trois albums à ton actif déjà. Exactement. Plus de 500 concerts. Mmh. On va revenir un peu sur ton parcours. On voit que tu as un environnement familial assez musical, assez marqué. Un papa qui est batteur. Exactement, oui, qui était batteur. Ouais. Comment se sont passés tes premiers pas dans le monde de la musique? Waouh. Alors, ça date. Parce que c'est vrai, comme tu le disais, j'ai toujours baigné dans le milieu de la musique parce que j'avais des parents qui étaient vraiment fans de la période de Woodstock. Alors, c'était des vrais hippies, les années 70 et tout, c'était leur truc. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai grandi avec toutes les influences qu'ils avaient. Donc, quand j'étais petite, j'avais tous les vinyles que mes parents, ils écoutaient. Donc, ça allait de Janis Joplin à Joe Cocker, en passant par Jimi Hendrix, même Led Zepp, il y avait Neil Young. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup grandi dans cet environnement musical, en fait, dans ce style musical très, très americana, en fait, avec des grosses guitares et des voix bien éraillées. Et chose qui était complètement un peu différente, parce que mon père était batteur dans un groupe de hard rock. Ah oui, donc voilà, donc j'ai pas suivi ce mouvement-là, mais je pense que ça a donné d'autres influences parce qu'il écoutait en fait avec ma mère. Pour ceux qui te découvrent à travers cette interview, comment décrirais-tu ton univers? Alors l'univers musical, c'est vraiment c'est blues, folk rock, 70s. Donc tu es auteur, compositrice, interprète. Exactement. Qu'est-ce qui t'inspire et qui t'influence quand tu composes? Niveau artiste. Qu'est-ce qui m'influence? Beaucoup de choses, beaucoup de choses pour composer, pour écrire. En fait, souvent, ça va être par rapport à ce que je ressens, ce que j'ai vécu, les gens que je rencontre. Ça peut être des coups de cœur, des coups de gueule. Donc, c'est vraiment très, très aléatoire. Donc, je suis d'une nature très, très curieuse. Donc, j'adore rencontrer les gens parce que les gens m'inspirent. Et du coup, c'est assez varié, quoi. Donc, c'est sur la vie en général. Et puis après, c'est vraiment oui, par rapport à ce que je vis, ce que je rencontre, quoi. Il se passe quelque chose, j'ai envie de le mettre en musique et de l'écrire. Et pareil, quand c'est un coup de gueule, c'est vraiment une émotion, en fait, une instantanée qui va être là à ce moment-là. Alors, parle-nous un peu de ton groupe. Qui sont-ils et comment tu les as rencontrés? Alors, l'équipe. Waouh! Alors, ça fait un bail que je joue avec toute cette belle équipe. Donc, alors, je crois que le premier album, il est sorti en 2011. Donc, j'avais commencé en 2010 à travailler déjà avec Neil Black, un guitariste américain avec qui j'ai réalisé mon premier album qui s'appelle Yesterday's Shadow. Et du coup, quand cet album il a été enregistré, il a fallu tourner en live avec. Donc, je tournais déjà pas mal, mais j'étais toute seule au départ. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, voilà, il va falloir commencer. Allez, on va commencer en duo. Il va falloir que je joue avec un guitariste. Et en fait, c'est un ami qui m'a présenté, Michel Benjeloun. Donc, guitariste avec qui je joue depuis maintenant 7-8 ans, voilà, ça commence à faire, et qui est là depuis le début, du coup, de l'aventure. Donc, Michel, il a une expérience très, très, très axée, justement, sur cette période des 70s, tout ce qui est le rock des années 60. Donc, c'était super parce qu'on s'est très, très bien entendu tout de suite par le style musical. J'ai commencé à travailler avec Steve Belmont à la batterie et Xavier Zoli à la basse. Et Steve Belmont qui a aussi une très très grande expérience de ce genre musical et qui a accompagné de nombreux artistes comme les Gypsy Kings ou encore Lucky Peterson et Xavier Zoli qui accompagne entre autres Aloe Black. Voilà. Alors, tu as remporté de nombreux prix comme en 2015 à Cahors, en 2016 à Cognac. Exactement. Étais-tu surprise de recevoir ces prix et qu'as-tu ressenti quand tu les as reçus? Bah, ça fait toujours plaisir déjà quand on reçoit un prix parce que souvent quand on le reçoit on s'y attend pas. Et c'est vrai que c'est une belle reconnaissance parce qu'en tant qu'artiste indépendante, on n'a pas de maison de disque, on a monté notre propre, entre guillemets, label indépendant pour pouvoir défendre ce projet-là. Et c'est vrai que du coup, quand on reçoit un prix pour la musique qu'on fait et qu'on défend dans un environnement musical en France qui n'est pas forcément évident, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. J'avoue que la première fois, le premier prix que j'avais reçu, du coup, c'est celui de Cahors.
Cahors Blues Festival. Et c'est vrai que j'avais été très, très émue parce qu'en plus, c'est un programmateur qui nous suit depuis des années. Et c'est vrai que c'était tout bizarre. Je crois que je savais pas quoi dire. J'ai dit merci, j'ai dû pleurer, peut-être, je ne sais pas. Mais je savais pas quoi dire. Et c'est vrai aussi qu'on a eu celui de Cognac, qui est aussi un très, très gros festival. Ouais, très c'est quand même festival. Le prix de révélation française, en fait, en France, dans le milieu du blues. Et du coup, ça a été un immense plaisir parce que c'est vrai qu'on jouait déjà sur le festival off depuis des années. Et le jour où il m'a appelé pour me dire, bon, bah, Gaëlle, voilà, je voudrais savoir, est-ce que t'es dispo l'année prochaine? Parce que voilà, je t'explique, on va te remettre le prix Cognac. J'étais là, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que j'étais toute seule dans ma chambre à ce moment-là quand je décrochais le téléphone. Et on a vite serré quelqu'un dans les bras. Puis j'étais toute seule ce jour-là. Donc, j'ai tout de suite appelé l'équipe pour leur dire, et ils étaient super ravis. Et on a eu la chance de pouvoir partager la scène avec Mathieu Chédid l'année suivante. Et c'était une belle rencontre. C'était une belle rencontre et un très très beau cadeau. C'est quelqu'un de fantastique. Humainement, musicalement, c'est la première fois que je le voyais en live. Ça va avec le personnage. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'amour. C'était fabuleux. J'en perds encore mes mots, j'en bégaye même, parce que c'était un grand moment d'amour, en fait, ce concert de partage, et c'était génial. La musique, elle est faite pour réunir les gens, et c'est ce qui s'est passé sur ce concert-là, c'était fantastique. Alors justement, tu es parti faire de la promo au Japon, c'était une première pour toi. comment ta musique a-t-elle été perçue par le public japonais? Alors, est-ce qu'ils sont sensibles à ce genre de musique? Oh oui, c'est assez impressionnant parce que bah déjà, pour moi, c'était une première, le Japon, déjà. C'était une première, et d'aller promouvoir l'album là-bas, c'était quelque chose d'assez exceptionnel parce que le Japon, on se dit, c'est un truc de dingue, on se dit. Enfin, le Japon, c'est tellement grand que quand ils découvrent des artistes, on a l'impression d'être une petite miette au milieu de quelque chose d'immense. Et d'avoir eu la reconnaissance du public japonais, c'était quelque chose d'assez fantastique parce qu'ils ont une très très grande culture musicale, que ce soit pour le rock 70s, pour la folk, pour la musique américaine, la country. Enfin, dans plein de boutiques, on rentre, il y a de la country, même de la country japonaise. Il se passe pas une boutique où on rentre pas et qu'il n'y a pas un morceau des Beatles ou des Rolling Stones qui passe à un moment donné. Donc c'est vraiment une culture qui est très très ouverte à ça, et c'est surtout qu'ils sont ouverts à plusieurs styles en même temps. C'est-à-dire que on a découvert qu'on avait des fans japonais là-bas qui aimaient aussi bien le hard rock qu'ils nous aimaient nous. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, ils vont aimer plein de choses en même temps, mais ils vont aimer ça à fond. Et c'est vrai que c'est je trouve c'est extraordinaire ce qui nous est arrivé parce que en 2011, le premier album avait été parachuté là-bas dans les favoris iTunes au Japon. Et il y avait un fan qui m'avait contacté en disant « Voilà, je voudrais acheter votre album parce que je l'ai acheté sur iTunes. Comment on fait ?»« Mais au Japon, comment vous avez fait pour découvrir ma musique ?» Bah, quand on est indé, qu'on développe la France, l'Europe et tout ça, c'est vrai que de se retrouver à l'autre bout du monde comme ça, c'est assez exceptionnel. Et il m'a dit « Non, vous étiez pendant des semaines et des semaines dans les... coup de cœur iTunes Japon, quoi. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens, en fait, qui nous suivaient là-bas au fur et à mesure. Donc, on a l'album, après, qui est sorti, le deuxième album en distribution là-bas. Mm-hmm. Parce qu'il y a eu de la demande. Et c'est la boutique Tower Records qui avait contacté mon distributeur pour dire « J'ai plein de demandes de cet album de cet artiste que, malheureusement, je ne connaissais pas. » Vous avez dit la personne de Tower Records. Il a dit « Voilà, je veux cet artiste dans ma boutique, quoi. » Et du coup, en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis, le troisième album, quand il est sorti, pareil. Du coup, il a été distribué au Japon. Et on a pu faire une petite tournée là-bas pour le présenter et rencontrer, en fait, certains de nos fans japonais. T'as prévu d'y retourner ou pas? Oui. Oui, prochainement? Oui, oui, oui. Et certainement cette année. Ah, voilà, ça sera une... Un petit scoop. Voilà, un petit scoop. Mais il y a de fortes chances, ouais, parce qu'il y a on a eu la chance d'avoir un label aussi sur place là-bas qui nous a découvert et qui a beaucoup, beaucoup aimé ce qu'on fait. Donc, on est en train de développer ça comme il se doit là-bas. Alors, tu as fait ton premier Olympia récemment, en première partie de Triade. Ouais. Ça fait quoi d'avoir son nom illuminé sur la façade de l'Olympia? Alors, déjà, quand je suis que je faisais l'Olympia, ma mère s'est mise à pleurer. Ça, c'était... j'ai trouvé ça tellement mignon. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon nom sur la façade, je me rappelle, le matin même, c'était ma cousine, elle m'avait envoyé une photo en disant voilà, là j'ai un copain qui est passé devant l'Olympia, il a envoyé la photo. J'étais là, non, il y a quelqu'un qui a rajouté le nom
parce qu'on se dit en tant que première partie quand même, j'étais bluffée, j'y croyais toujours pas. Et au moment où je passe devant en voiture pour aller me garer, j'étais là, en train de regarder comme ça, et j'y croyais pas, j'ai mon cœur, je pourrais même pas expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur, ça explosait dans tous les sens, j'avais les jambes qui tremblaient, les mains qui tremblaient, j'avais le sourire jusque là, jusqu'aux oreilles, et c'était génial, parce que je pense que c'est l'Olympia, c'est quelque chose de vraiment mythique, à tous les niveaux. Et en tant qu'artiste indé, c'est vrai que c'est une sacrée reconnaissance musicale. Et de le partager comme ça, en plus avec des artistes comme Triane qui fêtaient leurs 40 ans de carrière, c'était vraiment super, quoi. Je crois que je réalise toujours pas ce qui s'est passé. En plus, on a commencé l'année avec ça. Et je crois que c'est une des plus belles choses qui nous soit arrivée aujourd'hui aussi. Comment le public de Triane, il a perçu justement ta musique en première partie? Est-ce qu'il était... Il y avait de l'enthousiasme, de l'ambiance. C'était fantastique. Je crois que j'arrête pas de dire, c'est extraordinaire, fantastique, mais c'était vraiment un moment fabuleux, parce que déjà, quand on arrive dans cette salle, je sais pas, il y a quelque chose qui émane de cette salle qui est assez, assez fort. Et puis, d'être sur cette scène de l'Olympia, de voir toute cette salle comble, et qui nous a fait un accueil hyper chaleureux, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Parce qu'on était dans deux univers qui étaient complètement opposés. Et d'avoir pu toucher un public qui ne connaissait pas et qui était à des milliers, je pense, de kilomètres de ce qu'ils écoutent habituellement, c'était super. C'était assez fou parce que quand on est parti au merchandising, on est passé à un moment donné justement, on est sorti, on s'est trompé, on est re-rentré dans la salle de l'Olympia. Au milieu, et du coup, on a dû traverser au moins le milieu de la pièce pour aller jusqu'au merchandising. Et les gens nous applaudissaient dans les couloirs, dans la salle, et c'était fabuleux. On a vraiment eu un super accueil. Ouais. Alors, justement, revenons à tes fans. Tu as une fan base solide. On rappelle que tes deux premiers albums ont bénéficié du financement participatif. Ouais. Comment ça se passe ta relation avec tes fans sur les réseaux sociaux ou à la sortie de tes concerts? Je les adore, déjà. Je les adore parce que aujourd'hui notre musique, si elle existe, c'est grâce à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui parlent de nous. Et c'est vrai que pour moi c'est super important parce que en tant qu'artiste indé, c'est vrai que aujourd'hui c'est difficile de sortir du lot dans la musique. Enfin, il y a tellement de groupes, tellement d'artistes, et puis il y a des choses fabuleuses. Qu'on peut écouter en permanence sur toutes les plateformes, et c'est vrai que du coup d'avoir une fanbase solide comme ça, pour moi c'est quelque chose de fantastique, parce que je pense que sans ces gens-là on serait pas là aujourd'hui, ou du moins on serait pas là de cette façon-là. Et du coup je suis hyper reconnaissante de ça, et j'ai qu'une chose, quand un concert est fini j'ai envie d'aller les rencontrer, les voir, de voir leurs yeux qui pétillent à la fin de chaque concert, en fait, c'est ce qui me donne envie d'aller encore plus loin pour les embarquer dans cette belle aventure, en fait. Donc c'est vrai, pour moi, c'est important, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors des concerts, pour moi, c'est vraiment l'échange que j'ai avec le public et mes fans, il est super important. Ouais. Alors justement, il y a des fans qui ont des questions à te... C'est vrai, Jean-Pierre. Ma question est la suivante. Dans quelle salle aimerais-tu jouer? Une salle dans laquelle tu n'es jamais allé, en France ou en Europe ou aux États-Unis? Et si tu avais un duo à faire, avec quel artiste le ferais-tu? Chanteur ou chanteuse? Voilà, merci. Je suis hyper émue, en fait. Je suis hyper touchée, en fait. Et oui, alors pour répondre, alors c'est vrai que Jean-Pierre, c'est un fan qui nous suit depuis le début, en plus, parce que je crois que l'année dernière, il m'a dit qu'il avait fait... je crois qu'il a fait plus de 40 concerts. Il a suivi plus de 40 de nos concerts. C'est énorme. Même en dehors de Paris, de France et tout ça. Et je suis très émue de le voir dans ce petit écran. Et pour répondre à tes questions, Jean-Pierre, c'est vrai que je crois qu'une salle où j'aimerais beaucoup jouer, c'est au Royal Albert Hall en Angleterre, parce que c'est une salle qui est assez mythique. Alors j'aurais pu dire l'Olympia, mais on l'a fait. Peut-être qu'on le refera, ça, il est toujours sur ma liste. Mais c'est vrai que le Royal Albert Hall, j'aimerais beaucoup faire cette salle. Ouais. Et un stade aussi, un stade plein un jour. On aimerait bien tester aussi ce que ça donne
toute l'énergie cette énergie, d'un stade. Ouais, ouais. Et le duo rêvé, c'est vrai que, alors j'ai eu la chance de partager la tournée avec Johnny Lang, mais je crois que ouais, le duo rêvé, ça serait un jour vraiment sur scène de chanter avec Johnny Lang et Steven Tyler. Alors j'ai un autre fan, je pense que celui-là tu le connais très bien. C'est pas vrai. Salut, c'est moi. Ben voilà, on m'a demandé de te faire une petite vidéo pour cette interview. Donc, je me suis posé la question de quelle question j'allais te poser justement, parce que voilà, je t'en ai posé plein déjà, on s'en pose plein. mais il y en a une que je t'ai pas posée. Je me cache au-dessus. Et je me demandais voilà si tu avais le choix pour choisir une personnalité. Pour qu'elle t'écrive une chanson. Voilà, on sait que tu es fan de Steven Tyler, de Johnny Lang. Mais en dehors de ça, c'est des super chanteurs, compositeurs aussi, interprètes. Mais en dehors de ces deux-là, si tu devais choisir une personne pour t'offrir une chanson, voilà, qu'est-ce que tu choisirais? Voilà, c'était ma question. Et je t'embrasse. Bisous, chérie. Oh. C'est Steve Belmont. Le meilleur batteur du monde. Alors, oh là là, alors du coup, quelle question. Bah, j'ai envie de répondre, toi, Steve, j'aimerais bien que tu m'écrives une chanson. Tout simplement. Pourquoi pas? Ouais, bah là, on est en train de travailler, on travaille des nouveaux morceaux qu'on va présenter au Café de la Danse, des titres en exclusivité et des collaborations, de nouvelles collaborations, surtout avec toute mon équipe. Et du coup, je suis super émue de ce qui se passe là maintenant. Mais c'est vrai, oui, j'aimerais bien, Steve, que tu m'écrives une chanson. Alors justement, le 31 mai se profile ton concert au Café de la Danse. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares pour ce show? Alors, déjà rendez-vous le 31 mai. Hein. Donc, il ne faut pas que j'en dévoile trop parce qu'il faut que vous découvriez ce qui va se passer ce jour-là. Mais c'est vrai que... On a plein de surprises, en fait. On a un nouveau show qu'on va présenter vraiment qu'au Café de la Danse, avec des nouveaux titres en exclusivité qui sont sur aucun des albums, qu'on n'a jamais joué en live encore, et des nouveaux titres qu'on vient juste d'écrire et de composer. Et on a envie vraiment de justement, tout à l'heure, tu parlais des fans, j'ai vraiment envie de leur offrir sur ce concert-là un concert, mais rien que pour eux, même si on le fait à chaque fois, quelque chose de... voilà, de leur offrir des choses en exclusivité. Donc, on va avoir des super invités qui vont être là. Je vais l'annoncer bientôt. Et je suis ravie de partager la scène avec tous ces artistes qui vont être présents, guitaristes, avec toute mon équipe aussi. Et surtout, pour nous, c'est une belle première pour nous parce que c'est un concert qui est produit par Gérard Drou Productions. Et pour nous, c'est un concert qui est extrêmement important parce que c'est la première fois qu'on travaille avec un aussi gros tourneur qui nous produit un concert. Donc pour nous, c'est vraiment la date qui va, je pense, nous aider à faire un pas de plus aussi dans cette jolie carrière. Alors, tu vas faire beaucoup de festivals cet été. Comment tu t'adaptes à ce format par rapport au concert du Café de la Danse, par exemple? Alors, parce qu'il y a un temps qui est assez imparti, en festival c'est une heure. Oui, oui, oui. Alors en fait on est rodé là-dessus. On a des shows qui sont notre show d'une heure et demie, de deux heures, nos shows d'une heure. C'est vraiment, on a des qui sont entre guillemets paramétrés par rapport à la demande qu'il y a même en festival, parce que ça arrive des fois qu'il faut juste jouer 45 minutes. Et souvent on le fait parce qu'on aime se faire plaisir aussi, pas tout le temps faire des choses qui sont toutes carrées. C'est de se faire plaisir des fois s'il y a un festival, suivant la thématique du festival, on va peut-être jouer plus certains morceaux que d'autres. Et puis se dire des fois, allez, pendant une heure et demie, on va envoyer le boulet et on va courir partout sur la scène et puis présenter des beaux solos. C'est aléatoire en fait. Ouais, c'est aléatoire. Alors tu retournes en Arizona pour le Arizona Tour cet été. Oui, ouais, ouais. On sent que c'est le berceau de ta musique. Considères-tu cet endroit comme ta source d'inspiration majeure? Les États-Unis ou l'Arizona? L'Arizona. L'Arizona. Alors l'Arizona, c'est vrai qu'on a eu la chance l'année dernière pour la sortie de l'album de faire notre première tournée là-bas. Et là d'y retourner pour trois semaines de tournée à Prescott et Sedona.
Après, je pense que c'est plusieurs villes aux États-Unis qui font partie, entre guillemets, de mon berceau musical. Parce que là, on a vraiment la chance d'aller présenter ce qu'on fait en Arizona. Et je trouve ça super parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre certaines villes aux États-Unis, on se rend compte qu'ils sont hyper ouverts à ce qu'on fait. Alors que ça, la musique qui vient de chez eux, alors c'est peut-être le côté après avec la French Touch, quelque chose comme ça qui leur plaît davantage. Mais je pense que ça peut même s'élargir. C'est pas que l'Arizona. C'est vrai que moi j'aime beaucoup Sedona parce qu'il y a un côté très spirituel avec tout ce qui se passe avec les dernières réserves indiennes qui restent là-bas et que du coup il y a quelque chose de très ancestral même par rapport à la musique. L'Arizona commence à devenir mon berceau d'inspiration qui n'était pas forcément ce berceau-là précisément aux États-Unis au départ. J'aurais plus dit Nouvelle-Orléans et Austin. Mmh. D'ailleurs, le quatrième album, c'est pour quand ? Alors, le troisième album est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on est toujours en train de tourner avec. Et c'est vrai que là, on est en train de préparer la suite. Zéro date précise à dire. On est en train de travailler sur quelque chose de nouveau et j'ai vraiment envie de me laisser le temps pour ce quatrième album de le réaliser, pour les collaborations, que ce soit au niveau des artistes, au niveau des paroliers, des compositeurs. J'ai vraiment envie de peut-être d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qu'on a fait aujourd'hui et d'aller encore plus profondément là-dedans. Tu aimerais collaborer avec des artistes qui sont pas forcément de ton univers, comme des rappeurs, des... Ah oui. Oui. Alors, je l'ai déjà fait. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça que j'adore les collaborations parce que sur le deuxième album, j'avais fait une collaboration avec Patrick Ronda, qui est un guitariste de métal mélodique à la base. Et c'était fantastique de travailler avec lui. Et du coup, c'est quelque chose que j'adore de travailler aussi bien avec des artistes, des musiciens, qu'ils soient connus ou non connus. Et peu importe le style musical, parce que je me dis pas parce qu'on fait pas le même style musical qu'on n'est pas capable de faire de la musique ensemble. Et au contraire, je trouve ça enrichissant. Et il y a, oh là là, il y a combien de temps? Oh là là, j'étais toute jeune. Je devais avoir 16 ans, je crois que j'avais fait une collaboration avec un rappeur qui s'appelait Jean-Louis Tilberg. Et j'avais posé des voix un peu gospel sur son rap qu'il avait fait. Et c'est une expérience que j'ai adorée. Vraiment, et que j'aimerais renouveler. Donc, je ne suis pas du tout fermée aux collaborations de tous les styles de musique différents. Alors, on va parler un peu musique en général. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist actuellement ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Quelles sont les tendances ? Qu'est-ce qu'il y a dans ma playlist ? Alors, il y a tous les albums de Johnny Lang, déjà. Il y a tous les albums de Johnny Lang. J'écoute beaucoup, c'est vrai, en ce moment... Ça tourne beaucoup. Alors, j'adore le dernier album de Pink. C'est une artiste que j'admire et que je suis depuis des années et que j'adore. Ce côté rock qu'elle a, mais qu'elle arrive à mélanger de toute façon. Puis cette voix extraordinaire qu'elle a. Donc, elle est dans ma playlist actuelle. Elle est aux côtés donc, de Johnny Lang, des Temperance Movement, un groupe de rock anglais aussi très 70s que j'adore. Et aux côtés aussi d'un groupe qui s'appelle les Wood Brothers. Donc, ils ne sont jamais venus jouer en France, donc je ne les ai jamais vus en live encore. Mais c'est un groupe de folk, blues, qui est très intéressant. C'est un trio de frangins et c'est vraiment les morceaux qui tournent en ce moment. Enfin, pour finir, Gaëlle, qu'aimerais-tu dire aux personnes qui nous regardent pour qu'ils viennent te voir le 31 mai prochain au Café de la Danse? Alors, venez nous découvrir, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, si vous ne nous connaissez pas, venez nous découvrir le 31 mai au Café de la Danse. Et pour tous les autres qui ont l'habitude de venir à nos concerts, continuez de venir à nos concerts. Surtout le 31 mai, on vous réserve de belles surprises, mais vraiment de très très belles surprises. On a envie de partager ce concert-là avec vous à 10 000%. Donc, rendez-vous le 31 mai au Café de la Danse. Merci Gaëlle. Merci à vous.